Nous applions verset avec Wasweya de trouver dans 2 Pierre, chapitre 3, gloire à Dieu, le verset 18. Mais croissez dans la grâce et de la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, à lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Seigneur, que tu daignes bénir cette portion d'écriture pour notre édification commune. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous te prions. Amen et amen. Gloire à l'Éternel. Bon Dieu, nous ainsi fidèles, et accordez-nous grâce que nous pas mérité et lui lancer un appel avec chacun de nous. Par l'entremise de son serviteur, l'apôtre Pierre, donc, il y a un monde qui était marché avec Jésus-Christ depuis le commencement ministère. Et Jésus-Christ, le Seigneur t'a fait grâce de faire appel avec monsieur ça, avec frère, nous, un grand frère qui c'est Pierre. Et le Seigneur t'a donné la possibilité pour t'écrire deux épîtres qui sont vraiment riches et qui ont le même destinataire. Donc, c'est toujours les églises qui étaient là, les chrétiens. Donc, que ce soit les judéo-chrétiens ou encore les pagano-chrétiens, tous les deux, tu as une possibilité pour te lire l'être ça, et puis en même temps, pour être capable d'édifier la donne. C'est vrai, Pierre, nous te joignons comme étant l'apôtre des Juifs, mais c'est lui-même le Seigneur qui te permet de t'ouvrir la porte donc, aux païens pour qu'ils soient capables de tout accepter Jésus-Christ. Là, nous lisons la conversion de Corneille dans Actes chapitre 10. Nous, le Seigneur a été utilisé Pierre et il a été une possibilité comme étant donc mon le Seigneur a été utilisé pour fonder l'Église là pour qu'il ait été écrit pour le encourager chrétiens pour le maintenir dans la foi. Et puis ça, il fait suivre à première épître que Pierre lui-même a été écrit. Yon Jean pour être capable de montrer nos nécessités que nous gagnons pour une nature, bon Dieu, à nous. Yon premier épître qui était surtout traité de ça y pour avec sainteté, de rôle du pasteur, etc. Mais deuxième épître là, li pral gagnon goût tout à fait particulier, donc yon une sorte de accent qui démarque l'antigrâce de première épître là. Paul, alors Pierre, li capable. Alors, c'est unique côté de Joël qui fait référence de l'apôtre Paul. Donc, dans écrit Lio, dans fin chapitre 5, chapitre 3, il dit bien-aimé, les frères Paul, tu as écrit en pile bagaille sur le sujet ça. Parce que chapitre 3, surtout parler de l'avènement du Seigneur. Ça veut dire le retour du Seigneur. Qui position chrétien vous devez gagner et comment vous êtes capable de réfuter les gens qui pas quoi dans l'avènement ça. Faut que moi dis ou li fait suite avec plusieurs monde qui t'a prêché des hérésies. Donc hérétique yo te a dit pas gagné retour du Seigneur encore. D'a dit bon le Seigneur on dirait qu'il va mentir parce que ça fait pile temps de dit d'a retourner mais il pas qu'on jamais retourner. Or son épître qui écrit dans les années 60. Si n'a pas les jodi a 2000 ans après la mort de Jésus environ. Donc, hérétique, yon ta jeune plus bagarre encore pour yon dit, pour yon ta dit nous, Jésus nous an, li pa pour retourner. Mais nous avons une certitude, Jean Zangelan te dit là, Jésus nous te wè kap monte dans le ciel là, li gen pour retourner même Jean. Et nous campé sous parole ça, Pierre clair avec nous, le dit pour bon Dieu, yon jour c'est comme 1000 ans. Et 1000 ans c'est comme yon jour. Tôt ou tard, le Seigneur reviendra. Et le Seigneur a vini. Paul dit lui, si nous déjà mouri, gloire à Dieu. L'éclair avec lui. Si nous mouri, n'a pas ressuscité. Si nous vivant, n'a pas transformé. Et ensemble, n'a pas tendé son trompette là et n'a pas rencontré avec le Seigneur dans les airs. Avec toute humilité, Pierre présenté lui, dès la commencé pit là dit. Pierre, Simon, serviteur et apôtre de Jésus-Christ. Il clair la donne pour le montrer, lui son serviteur. Yon moun que le Seigneur prend bien loin avec plein de gens sous la vie, lui travaille caractère, lui
et il fait devenir monde que lié à. Il dit lui c'est apôtre de Jésus-Christ parce que là pour parler de ça il était ouais et de ça qu'il était tendé. Il prend dans même chapitre 1er à pour parler encore de pratiques vertueuses que chacun de nous nous gagne pour nous faire comme étant serviteurs et servantes de Dieu. Il va prendre du temps pour que il dit nous grâce que le Seigneur a appelé nous pour nous grandir là-dedans. Il c'est une faveur non méritée. Il va dire du charisme signifie une faveur que le Seigneur a accordé nous parce que aucun de nous pas de droit pour nous être sauvés. Paul a dit tout le monde péché et tout le monde est privé de la grâce de Dieu. Si nous tous sommes péchés, nous tous sommes privés de la grâce de Dieu, de la gloire de Dieu, eh bien, Jésus vient mourir et gratuitement nous justifier parce que le Seigneur est mort dans la place. Nous. Qui donc, puisque nous justifier gratuitement, nous avons une possibilité pour que nous grandissions et rentrions dans la faveur que le Seigneur a accordé nous. Et nous d'accord, grâce à il va avoir deux dimensions là-dedans. Il y a une dimension de grâce qui va avoir pour avec faveur qui sauve nous. Nous dit le clair dans Éphésiens chapitre 2 verset 7 et 8 mais ça écrit. Paul dit afin de montrer dans les siècles à venir l'infiniment richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Et là même continue au verset 9, ce n'est point au moyen des œuvres afin que personne ne se glorifie. Dieu fait grâce à nous, lui permet que nous acceptions Jésus-Christ comme sauveur parce qu'il va nous cadeau à gratuit et automatiquement il dit nous gagne la vie éternelle. Grâce à l'ba nous a, lui mandé nous pour nous grandir là-dedans. Croissez dans la grâce. Déjà, ouais, grâce là, son faveur non méritée. C'est lui-même qui permet de me sauver. C'est lui-même qui permet de me sauver. Et c'est grâce à ça qui permet Dieu accorder même guérison, faveur, prend soin, bas sécurité, malgré pas mériter ça. On bas grâce, bon Dieu. L'elle dit pour nous augmenter la grâce là, on m'en a posé question, mais si son grâce, comment m'en a augmenté? D'ailleurs, c'est le Seigneur qui m'a dit, ça m'a fait aucun travail pour lui. Comment m'a capable de grandir la donne? Son croissance progressive, dis-le bien, progressivement a grandi jusqu'à ce que nous finissions développer total la grâce là. Dieu pas venu contenter seulement pour nous dire, nous gagnons le salut, par le fait que nous gagnons oh, Jésus qui est mort dans la place nous. En effet, il vient de nous la vie éternelle parce qu'il prend place nous à la croix. Mais il veut les mêmes gens avec le petit Jésus. Dans Luc chapitre 2, verset 32, le clair, 42, Jésus grandit non seulement dans sagesse, non seulement dans statut, mais il grandit dans grâce, mon Dieu. Grâce là, c'est faveur que nous joignons, pas seulement dans Jésus, mon Dieu, mais encore dans Jésus, l'autre monde. On va expliquer ça, me dit là. Ça qu'a privé gagnon dans nous là nous fait un bagage qui passible de jugement de condamnation et l'en garder tête nous nous ouais pas gain moyen pour nous sortir de situation ça et puis le Seigneur accordé nous une faveur d'ailleurs c'est monde qui t'a pas condamné nous il parler dans cœur monde peu importe ils sont humains et puis il fait en sorte que ça t'a pas arrivé nous comme châtiment. Comme condamnation, nous pas joindre et le Seigneur accorder une faveur. Une faveur qui sortit dans Dieu, mais qui passait dans un monde. Mais pour nous comprendre niveau, pour nous joindre grâce et faveur, ça, faut nous comprendre dans quel niveau le Seigneur lui remet nous et dans quel niveau il veut utiliser nous par grâce. Pour nous mieux comprendre, nous obligés de faire différence avec mérite. Quand nous parlons de mérite, nous parlons de qualificatif. Chacun de nous a un qualificatif qui permet que bon bagaille nous ka fait parce qu'on a étudié pour lui. Bon bagaille nous ka fait parce qu'on a intelligence pour lui. Bon bagaille nous ka fait parce qu'on a audace. Bon bagaille nous ka fait parce qu'on a force. Mais bon niveau qu'on arrive connaissance pas servi. Étude pas servi.
Audace pas servir. Force pas servir. C'est seulement appuyer nous sous grâce et faveur, bon Dieu. Paul, c'était un grand savant. Un homme qui formé au pied de Gamaliel, qui a différentes nationalités. Parmi eux, les nationalités qui sont plus importantes qui existent dans le monde, dans la période là, il était romain. Donc, en pile dans nos langues, il y a nationalité américaine. Avec passeport américain, on est capable d'aller presque tout côté dans le monde là. Paul a eu un privilège et en plus, il a eu une pile d'éducation. Lorsque il arrivait à un côté, il devait en obéir. Pour lui montrer le mérite, pour lui montrer l'autorité, pour lui montrer la sagesse, pour lui montrer le pouvoir. Il écrit dans 2 Corinthiens chapitre 12. Il commence à dire, s'il faut, gloire à Dieu, sans obéir, je vais faire. Mais m'a dit nous, je connais un homme, il y a 14 ans, qui fit ravir jusqu'au ciel. Si c'est dans le col, moi pas connais. Si c'est sans col, moi pas connais. Mais nous, ça, te ouais étendre des choses qui sont extraordinaires, que moun bat jam ouais et moun bat jam tende. Si m'da doué parler de nous, ça, moi gen des révélations que personne moun bat jam joigne. Moi gen j'aime ouvrir sur des doctrines qui bat jam gen possibilité ou aucun monde gen j'ai ouvrir sur. Mais il dit en effet malgré toute excellence révélation ça que me gagne moi gon échad yon échad yon ange de Satan qui m'a été mis dans la chair. Il dit trois fois j'ai prié le Seigneur pour que le Seigneur soit capable d'éloigner Échad là de moi. Le Seigneur répond moi. Dans trois reprises, il dit, attention, Paul. Mais vous comprenez que ta grâce me, alors ma grâce te suffit. Vous voulez apprendre ça pour plus qu'au besoin de joindre guérison dans mes moins. Ou besoin de joindre délivrance dans mes moins. Yon jan pou kapab camper pour parler avec gòs déployé ou bien montrer qui est souillé même choisi pas baoul moi choisi fort plus grâce toujours quand il dit ma grâce te suffit li ajoute il dit yon jan pour que pouvoir capable manifester dans faiblesse ou. Bon Dieu bénis l'église là. Quand il dit, ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Et m'a dit, moun qui joue une grâce, c'est moun qui faible. Moun qui joue une grâce, c'est moun qui reconnaît devant mon Dieu, yo pas rien. Jésus-Christ dans les béatitudes, ça le dit. Heureux les pauvres en esprit. Des hommes et des femmes qui reconnaissent devant Dieu, yo sans autorité, yo sans pouvoir. Si yo là, je dis à ces grâces, mon Dieu. Si y a marché toujours, c'est grâce, bon Dieu. Tout ça y a fait dépend de grâce, bon Dieu. Là, le clair avec nous. Il m'a été mis dans la chair, une écharde, un ange de Satan, pour me souffléter. Il dit, trois fois, j'ai prié le Seigneur, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Et Paul a dit, je me glorifierai donc, bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans mes faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Et m'a dit, vous faiblesse ça, il va vous dire, il y a un monde qui est susceptible pour tomber dans le péché. Sinon, que y a un monde qui toujours besoin de grâce, mon Dieu. Ma boue dit encore. Faiblesse, ça, pas v'le dit, y a un monde qui tombe dans la tentation assez souvent. Non, c'est pas ça, v'le dit. Mais v'le dit, au contraire, y a un monde qui dépend dans toute ça l'affaire de grâce, mon Dieu. Li connaît pour le marcher, c'est grâce, mon Dieu. Pour le respirer, c'est grâce, mon Dieu. Pour le manger, c'est grâce, mon Dieu. Malgré le gué manger, li là, dans le frigidaire, li tout bagay ok, mais le connaît, c'est grâce, mon Dieu. C'est que Paul dit, quel que soit ça, n'en fait affaire pour la gloire de Dieu. Et c'est si nous prenons manger, c'est pour nous prendre manger avec action de.
Et quand on dit action de grâce, bah, mon Dieu, remerciement, pour nous dire, Seigneur, si je fais ça, si je vais dans le niveau ça, ce n'est pas l'autre bagaille, c'est grâce à ou même. Le Seigneur remet les gens qui comptent sur grâce, mon Dieu. Les gens qui appuient sur grâce, mon Dieu. Les gens qui connaissent toute grâce, mon Dieu, pas pour gré merci. Moun ki pa gaspiller grâce bon Dieu. Ki pa gaspiller faveur bon Dieu. Konnen an pile moun chante musique ça mais assez souvent ou mal chante li. Là on dit toute grâce bon Dieu c'est pour grand merci. Même regarder cantique là encore, moi regarder là encore, li commencer comme ça. Je crois 62 créoles sans d'espérance. Quelque chose ainsi. Li dit longtemps moi intéressé dans l'orgueil. M pas te rendre compte Seigneur m'te crucifié. M pas te connaître c'est pour moi sans le couler sous bois calvaire. Laisse elle dit de ce fait toute grâce bon Dieu. T'es pour grand merci parce que laisse m'd gaspiller grâce là. Malgré m'd vivre des pensées c'est moi-même avec connaissance moi, avec sagesse moi, avec habilité moi, avec pouvoir moi, moi t'a fait un pile gros bagaille. Mais le réaliser m'a gaspiller grâce bon Dieu. Il est là pour conclure, il dit Koulia, moi rend Christ toute bagaille. Koulia, c'est pour lui m'a travail. Koulia, c'est remerciement ma balle pour bois calvaire. Yon sans pour pas gaspiller grâce bon Dieu encore. Pour connaître tout ça que lui jouit, tout ça que au monde bali toute faveur que lui jouit, c'est pas mérite personnel lui. Mais c'est le Seigneur qui a accordé lui. Et m'a dit où le Seigneur livre chacun de nous bien-aimés, nous grandit un dans la grâce, mais il veut en plus pour nous grandir dans la connaissance. Et m'a dit où grandir dans la connaissance est très importante. La connaissance est très importante pour l'église du troisième millénaire. C'est vrai, il est difficile pour nous jeunes monde qui vraiment ont soif pour apprendre la parole de Dieu. Nous avons plus de monde qui a soif pour la prière, plus de monde qui a soif pour jeûner, plus de monde qui a soif pour prier, demander, etc. Que monde qui voulait abonder dans la connaissance de la parole de Dieu. Nous comprenons que le Seigneur, il était toujours voulu que les disciples reposent foi sur la parole. Fondez foi, disciples sur la parole. Et le clair, lorsque la fondez foi sur la parole, il prend les disciples à mettre reprise. Non lieu où tirer puis commencer enseigner en apporter. Commencer raconter yo qui sa royaume nan yé. Commencer dire yo mais ça nous pas de comprendre dans la loi Moïse là parce que Paul plus tard après le dit lorsque nous lit la loi Moïse là bon voile qui passe devant genou gan pile bagay que nous pas comprendre. Il était nécessaire pour Jésus de venir et expliquer ça yo. Ça fait elle paraître il commencer parler des béatitudes et l'a dit écoutez heureux celui heureux celui-là, heureux celui-là-bas, heureux. Et après, elle pral dit, si Moïse te dit nous tel bagay, quant à moi-même, mais ça me dit non. Ou bien elle dit nous, si Moïse te dit nous tel bagay, si à cause de la dureté de vos cœurs, qu'elle les dit ou ça, mais dans le commencement, c'est pas de saleté. Livre que les disciples ont tellement grandi dans la connaissance de la parole, même là, elle pral, elle dit, écoutez, moi, enseignez-nous en pile bagay. Pendant 3 ans, Jésus fait sur la terre, l'a enseigné disciples, pas même une fois, Jésus parle jeûner avec eux. Pas même une fois, Jésus parle font veille de nuit en entier avec eux. Sinon, que l'aile montée, j'ai dit, c'est pour la prière. Mais il prend 3 ans, ça, l'a baillé une formation intensive. On juste imaginer ça. Quand pile théologien là, je sais, capteur des, mais qui n'en salle d'entour. L'offre une étude théologique ou fait environ 4 ans. Dans 4 ans, ou avez suivre dans une semaine ou capable gagner 10 heures de temps de classe, pas vrai? On sale capable 15 heures de temps de classe par semaine. Si vous tenez compte dans une semaine, vous multipliez 24 par 7, ou est quantité heures de temps qui gagne dans semaine. Or vous prend 10 heures de temps ou bien 15 heures de temps dans semaine là pour étudier. Et il y a plusieurs vacances, plusieurs semaines vacantes dans l'année où pas étudier là-dedans. Jésus formait disciples pendant 3 ans. Dans une formation intensive, il n'y a pas jamais séparé avec Jésus.
Premier. Pendant journée, 12 heures de temps, vous prenez 12 heures de temps avec Jésus. Dans la formation. Si vous prenez un break, un petit break pour manger. Ça veut dire, là, pas de samedi, pas de dimanche. Jésus avec disciples censés 24 sur 24. Quelquefois, vous prenez temps pour reposer. Ou bien dans le sens pratique, quelquefois Jésus voyait en mission deux par deux. Mais au printemps, ça, on juste imaginer que vous passez 12 heures de temps avec Jésus. Gardez combien de crédits vous prend dans un seul jour. 12 heures de temps. Prenons une semaine. Ça veut dire, tant vous passez dans une semaine avec Jésus, c'est presque équivalent avec temps vous passez pendant 4 ans à étudier. Yon jan pou m'di ou, tant Jésus passe avec disciples yo, puis yo croissé dans connaissance et dans formation, il était presque équivalent à plus que 10 ans. Si nous apprenons en université normale, que étudiant bien crédit la donné, yon jan pou nous comprendre formation ça à Jésus te ba disciples yo. Jésus pas écrit, li pas quitté trois livres pour yo, li dit yo moins pralé. M'a voué pour nous yon consolateur. Lirele le paraclète. Li dit l'el vini. L'a enseigné nous ça ne pas qu'on connaît de moins. Et ça me enseigner nous n'oublier yo, l'a fait nous songer yo. C'est ça Jésus dit du Saint-Esprit lorsque il parlait dans Jean chapitre 16. Li dit certes moi praler, m'a voyé Saint-Esprit a, lui-même il va enseigner nous davantage sous moi-même. Ça veut dire environ 10 ans va suffire. Bon Dieu bénit l'église là. Écoutez, construire une vie spirituelle à la connaissance de la parole de Dieu, ça vaut en pile année. Détruire une vie spirituelle, il vaut quelques minutes. Mais construire une vie spirituelle, il vaut en pile année. Dieu voulait construire la vie de Moïse. Il prend Moïse, il mène dans le désert pendant 40 ans. Moïse prend 40 ans la prend formation dans pied mettre là. Moïse pas comprendre ça la prend, qui formation elle t'apprend. Yon jan pour retirer 40 ans côté au tap former Moïse la ka pharaon. Pour dire retirer ça yo et mettre connaissance, humilité, patience dans Moïse, il a fallu 40 ans. Croiser dans la connaissance de Dieu, pas seulement la parole de Dieu, mais de la nature de Dieu, de la personne de Dieu, lui mandons exigence, lui exiger un sacrifice. En pile temps, passer avec Dieu, dans pied Dieu, où Dieu apprend nous, ça nous doit connaître de lui. T'es un bien-aimé qui rencontre avec Jésus-Christ. Alors, je ne veux pas dire un bien-aimé, c'est pas un bien-aimé, mais c'est plutôt une femme. Le fait que les pentecôtistes accepter Jésus, m'a voulu tout dire, ils t'ont bien aimé. Lorsque dans Jean chapitre 4, nous la femme samaritaine, les rencontrer avec Jésus-Christ. Lorsque les rencontrer avec Jésus, il a parlé de adoration, il a parlé en fait de servir Dieu. Femme nan dit Jésus au verset 20 de Jean chapitre 4, nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Vous comprenez ça? Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Femme nan, c'est une Samaritaine qui réclamait ses descendances de Jacob, au même titre que Jésus, qui a adoré, bon Dieu, sur montagne, l'île comme étant une religieuse, mais qui pour aux gens connaît bon Dieu. Tenez bien. En tant que religieuse, elle montait sur montagne là, même sans tout le monde monter, pas tradition. C'est là papa le toujours monter pour l'adorer, lui-même toujours monter là l'adorer. Mais qui est-ce la va adorer à? Qui nature Dieu la va adorer à?
Qui vrai nom Dieu l'a adoré? Est-ce qu'il capte Dieu ça le fait mal sous montagne là seulement? Parce qu'il y a deux discussions qu'a fait là, mont de Gerizim et l'autre là c'est mont de Jérusalem. Juif yo dit à Jérusalem, femme comme samaritaine, lit sur la montagne. Jésus dit attention. Ce n'est ni à Jérusalem, ce n'est ni sur cette montagne, parce que vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Combien de monde qui a demandé Dieu quelque chose, mais on ne peut pas connaître la nature, bon Dieu. Combien de monde qui a approché de Dieu, réellement on a approché de Dieu, mais on seulement connaît Dieu de façon théorique. Même genre Moïse, intelligemment, lorsque Dieu paraît devant, lui dit, Moïse, moi c'est Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob. Moïse dit, mais Abraham mourit, Isaac mourit, Jacob mourit. L'homme paraît devant le peuple Israël là, moi je voulais connaître qui est-ce m'a dit qui voyait. Donc, l'homme paraît pour me dire Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ça va suffire pour moi. Moi je voulais connaître qui est-ce qui est. Moi je voulais connaître. Révélez-moi qui est souillé. Dieu dit apparaître ou a dit c'est lui qui s'appelle je suis. Qui n'est pas seulement le Dieu des morts, mais qui est le Dieu des vivants. Celui qu'on appelle je suis. C'est lui qui était, qui est et qui sera. Satan a circonstance pas qu'à changer là. Dans toute grandeur immuable. C'est ça le dit. Moïse seulement pas voulu rester là. L'aile dans le désert, l'a marché, c'est vrai. Li kon non bon Dieu, mais au niveau le rivel, dit Seigneur, ça va suffire. Mon vie ou un visage. Mon vie ou un visage pour moi, comment ou y est. Je vais me toucher, je vais passer temps avec vous. Dieu prend Moïse, je passe 40 jours et 40 nuits sur la montagne. Et lorsque Dieu a parlé avec l'a parlé de Moïse, on a Dieu dit attention. Il dit ça avec Aaron. Attention Myriam. Moi voulais nous comprendre ça. Tout prophète moi gagné yo, moi parle avec yo dans révélation, mais quand à Moïse moi parle avec elle face à face. Et vous connaissez qui ça qui fait ça? Moïse était un désir pour le connaître bon Dieu davantage. Pour le pas seulement servir un Dieu qui seulement dit c'est Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et c'est vrai, elle a accompli gros bagaille dans la vie, monsieur. Ça, vous pas vrai? Abraham, il passé, bon, la caille Abraham, pendant la passée, Abraham invité, voilà, sous forme des anges, et qu'elle chita manger avec l'île, s'il pral détruire Sodome et Gomorre, ça, on dit Abraham. Bon entretien, pas vrai? Normalement, avec Isaac, donc, pas de trop gros entretien, mais Isaac tellement croit dans Dieu, il prie, bon Dieu, pour madame, il était stérile, Dieu tendait. Quant à Jacob, Dieu paraît devant son échelle, li wè li, mais Moïse dit, m'ou kon trop bagay. Son buisson seulement mwè la. Son voix m'tande, m'en vi kon non. Konnen gen moun ou nombre de temps avec ou pa jam kon vwe non? Yes. Gloire à Dieu. Gen kote ou ap rive, ou ap pale de moun nan. En vérité, moun nan m'zoum bakon moun za. Parce que dans l'institution, c'est pas Apodoa ou bien Maïdonem nan ki ou konnen. Yo konnen vrai nom moun nan. Moïse m'le konn vrai nom. L'aime paraît pour m'bay vrai nom. Bien-aimé, le Seigneur veut nous grandir dans connaissance parole. Lorsque nous grandissons dans connaissance parole, bon Dieu, dans connaissance Dieu, dans pile bagay peut-être comme erreur de qu'on commet, nous pas commettre yo encore. Paul dit un bagay qui est intéressant dans 1 Corinthiens chapitre 2, partant du verset 6. On a dit il dit comme ça, cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun chef de ces siècles n'a connue, car s'il l'eût connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Et quand elle parlait des chefs de ces siècles, qu'elle dit que pas de jambes qu'on sagesse ça, sagesse n'a pas l'autre monde que la personne de Jésus-Christ. Mais chef yo, l'y référé avec yo là, c'est pas donc les chefs militaires,
ou bien m'a dit chef de la police, etc. Mais il parlait des chefs religieux. Donc, moun qui te kon wè Jésus, qui te kon généalogie de Jésus, lorsque Jésus, par exemple, paraît dans Marc chapitre 6, il paraît dans zone Galilée, particulièrement Nazareth, il dit, n'est-ce pas le fils de Marie, le charpentier? N'est-ce pas le frère de Jose? N'est-ce pas le frère de Jude, le frère de Jacques? Et ses sœurs ne sont-elles pas tous parmi nous? Mais d'où vient-il toute cette connaissance? Et Jésus, dans la période de la Tébrio, il y a un sujet de scandale. Parce qu'on était seulement contre Jésus comme petite Maria. On était contre Jésus comme charpentier. On était contre Jésus comme frère Josla. Mais on pas contre Jésus comme petite bon Dieu. Ça qui fait le clair, les Paul dit. Sagesse qu'aucun chef de ces siècles n'a connue. Car s'il l'eût connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Gampil façon nous aborder Dieu. Gampil façon nous servir Dieu. En réalité, c'est parce que nous ne savons pas qui est ce bon Dieu. L'en arrivé qu'on est Dieu, nous connaît qui est Jésus, il y a respect, n'a gagné pour lui-même. Il y a façon n'a servi lui, il y a façon n'a traité lui et relation nous yo, il y a meilleur avec Dieu. Dans Colossiens chapitre 1, le verset 10, il dit en effet, Dieu veut que nous marchions d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Parce que dans marche nous avec le Seigneur, assez souvent, c'est ça nous dit nous de Dieu qui était pour nous comme témoignage. C'est ça nous lit de Dieu qui était pour nous comme témoignage. Il m'a dit chaque jour, bon Dieu voulait avoir une nouvelle révélation. Chaque jour, Dieu voulait avancer plus près et on s'en pour qu'à connaître davantage. Je vais prendre quelques exemples qui sont banals avec nous. Ce qui arrive avec le monde que nous connaissons, c'est dans l'église que nous connaissons. Nous avons toujours un bon frère, une bonne sœur, qui est très gentille, voilà, qui est très aimable, qui est toujours tout près de nous, qui rend nos services, etc. Et puis nous disons, bon, j'ai 10 ans depuis que je connais un frère dans l'église, là, je vais avoir un témoignage de lui. Mais je me dis, si vous avez fait sortir avec un frère pour 2 semaines, dans 2 semaines, nous dormons même côté, nous partageons. Même chambre, là, dit le Gonza, nous avons presque tout le bagage en commun. Nous avons même côté pour nous chauffer, manger. Là. Vous comprenez? Nous avons même douche là pour nous utiliser. Nous avons même pâte là pour nous utiliser. C'est là qu'on peut arriver à connaître Mani Frère. Gan pile défaut, c'est là qu'on peut le découvrir. Gan bagage ou ap le découvrir, ou ap dit, oh, c'est frère tel qui est comme ça. C'est soeur tel qui est comme ça. Bon brisa, parce que nous avons seulement développé une relation à distance avec lui, mais nous pas réellement approché nos côtés pour nous mieux connaître. Lorsque nous approchons de Dieu, nous venons une relation tellement étroite à Dieu, chaque jour Dieu a révélé nous davantage à lui-même. Alors, a révélé nous davantage lui-même. Caractère lui, sens lui, désir lui, ça veut nous faire, ça veut pas nous faire. Mon auteur qui dit ça, plus nous approchons vers Dieu, c'est plus nous sentons pitié. C'est plus nous sentons pas bon. C'est plus nous avons péché dans nous. C'est plus nous avons pas sanctifié. Eh, vous comprenez ça? Chaque fois que vous découvrez dans vous-même quelque chose qui est totalement humain, quelque chose qui n'a pas fait bon Dieu plaisir, c'est parce que vous apprenez à connaître bon Dieu davantage. C'est parce que vous approfondissez la carte bon Dieu. Et ça, c'est le désir que Dieu. Pour que nous, tout en général, nous grandissions dans le niveau que nous connaissons, mon Dieu. Colossiens 3, 10, ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Lorsque nous avons une possibilité, ça, bien aimé, pour que nous grandissions dans la connaissance et dans l'image, mon Dieu, nous venons plus sembler, mon Dieu, davantage. Et ça, c'est le désir, mon Dieu, pour chacun de nous. Désir, mon Dieu, ce n'est pas pour nous éloigner nous de lui. Mais c'est pour nous rapprocher nous au jour le jour. Le Seigneur voulait nous tout en général nous grandir. Le Seigneur est son Dieu de la croissance. Nous prenons un exemple avec vous, le petit Jésus. Il était fait, on l'a fait, mais on l'a grandi. Nous devons ça avec moi dans Luc chapitre 2, verset 42. Il était grandi en sagesse, il était grandi en statue. Il a devenu plus gros, plus grand chaque jour. Mais comme ça, il était grandi dans grâce. Chaque jour, il était plus grâce.
Chaque jour, il t'a appuyé le plus sous papa. L'on grandit dans grâce. Gen bagay que au besoin ou a besoin faire c'est pas pour glorification personnelle ou non a besoin faire pour glorification papa ou. Jésus est venu au niveau tellement dépend de papa dans Jean chapitre 11 l'el pral ressusciter Lazare il dit père je sais que tu m'as exaucé à maintes reprises mais aujourd'hui encore m'd'a fait tout exaucer. Vous pensez Jésus c'est pouvoir le battre gain pour seulement relier Lazare mais il veut seulement appuyer sur grâce papa. Ah bon Dieu béni ou. Yes, il y a un pouvoir, il y a une autorité pour le défaire. Mais il voulait appuyer sur grâce papa li pour que tout le monde capteur d'elle et well, pour qu'on ne pas faire rien de part de lui-même, mais tout ça le fait, c'est grâce papa dans lui. Vous voulez comprendre ça? Dans ma choix avec le Seigneur, pour y venir au niveau pour dire Seigneur, moi je veux grandir dans moi. Moi je veux paraître dans tout ça m'a fait. Moi je veux tout le monde comprendre tout ça m'y est, tout ça m'a fait. C'est grâce au qui abondé dans moi. Son signe qu'on compte bon Dieu davantage. Amen. Les gens baptisent tellement contre Dieu. Je voulais conclure. Pendant que je baptise tellement contre bon Dieu, dans Jean chapitre 3, un ensemble de monde qui paraît comme disciples Jean-Baptiste, je dis, maître, ou entravé. Jean dit, mais entravé dans qui ça? Il dit, Jean, où t'es populaire? Jean, t'es grand pile de monde qui a marché derrière. J'en te gan pile disciple. Mais non, ti non mou te baptisé dernièrement là. Nan joudain. Mais le commence fan pile disciple, oui. En pile moun commence quitte ou aljouen ni, oui. Mou se levé pi ou non. Sans faire dans ça. J'en dis, ah, il faut qu'il croisse et que moi je diminue. Et dimension. C'est temps pour le paraître moi-même pour disparaître. C'est temps pour occuper première place et moi-même pour occuper seconde place là. L'homme grandit dans la connaissance de Dieu. Quand qui est Dieu y est, ou appuyé ou sous grâce bon Dieu, ou fait en sorte que vous effacez pour Christ apparaître. Pour diminuer le moi et ça qu'on gagne, ça qu'on connaît, pour que tout côté paraît, c'est Christ lui-même qui paraît. C'est le désir de Dieu. Lui pas voulu investir dans nous-mêmes pour nous pas grandir. En Matthieu 13, Jésus a une parabole. Parabole semeur là. Il dit semeur là, s'y met quatre côtés différents. Il s'y met le long du chemin, les oiseaux passent dans la ville. Les gens n'ont pas de connaissance, ils n'ont pas appuyé sur grâce non plus. Parce que les oiseaux passent dans la ville. Il s'y met dans la terre rocheuse. Terre rocheuse là, puisque pas de racines, plante est levée, flap, à bon temps, il est séché. Parce que par contre, mon Dieu, trop que ça. L'issime est enragé, non rac, côté oxygène pas qu'à passer. Plante yo pas qu'à faire photosynthèse. Ça veut dire yo seulement filé, mais après un temps, y a mouri, yo pas qu'à pouvoir fuir. Mais finalement, li dit, semeur la simé dans de bonnes terres. Et le simé dans de bonnes terres, plante la prend temps pour le lever. Parce qu'elle rentre en pile, alors à bien fond dans terre, elle prend temps pour le lever. Mais elle le lever avec force. Quand elle lève à force, elle grandit. L'elle finit grandit, elle fleurit. L'elle finit fleurit, yon grain baille 30 l'autre grain. Yon l'autre grain baille 60 l'autre grain. Et yon l'autre grain baille 100 l'autre grain. C'est ça, oui, croiser, c'est le désir de Dieu pour nous croiser dans la grâce et puis pour nous apprendre qu'on est davantage. Et chaque jour, c'est désir, bon Dieu. Et m'a dit, nous avons un grand serviteur qui a marché avec Dieu. Il est très fidèle avec bon Dieu. Fidélité avec Dieu, c'était inquestionnable. Même Dieu était reconnaître ça. C'est Job. Dans marché avec le Seigneur, tellement fidèle avec Dieu, Dieu même pariait sur lui. Dieu dit, Satan, d'où est-ce que tu es venu? Il dit, je ne saute pas courir la terre. Il dit, as-tu vu mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme fidèle et intègre. Monsieur fait toute bagaille droite. Et m'a dit, yon bagaille, malgré tout ça, épreuve tombée sur Job, Job a une foi qui est infaillible. Dieu a donné, Dieu a ôté, que le nom de Dieu soit béni, etc. etc. Mais puisque Job, bon niveau, qu'elle pas connaît, bon Dieu, c'est vrai qu'elle pas péché. Dans la faiblesse,
connaissance ça li pas péché mais toutefois li réaliser gen bagay li pas doit dire parce que il dit m'ta remet ouais bon dieu m'ta remet relé bon dieu mettez bon dieu chita là moi questionner dieu pour me dire dieu ban mon explication de ce qui a passé dans vie là pour qui ça s'est arrivé est-ce que mon voilà est-ce que mon prend ça pas pour moi est-ce que mon un monde qui dans nécessité me pas occuper est-ce que mon ceci est-ce que mon dieu là li envie justifier le devant en milieu et puis l'envirer les dieux dans tribunal et puis dieu dit sans aucun problème c'est mon serviteur il relé Job est-ce que toujours voulez relé dans tribunal li dit Job m'a seulement posé quelques questions. Il dit Job, qui connaît-il l'aime d'avoir formé la terre? Dans mon dîme qui première pierre que me mettait dans fondation terre qui fait terre va jamais effondrer. Il dit Job, dans cette dîme qui porte que me mettait dans la mer qui fait va jamais gain tsunami. Dans cette dîme Job, l'elle a tombé. Qui fenêtre ouvre dans ciel là pour me faire la pluie à tomber? Il dit Job, comme explication, comment faire gain fait noir? Comment faire gain lumière? Comment faire gain saison? Côté étoile yoyé, où ça ne va jamais tomber? Tellement posé Job question, Job était perplexe. Et finalement, Job dit, Seigneur, mes oreilles ont entendu parler de toi. On y a, c'est pas oreilles qui entendent parler de vous. C'est Jim qui est où. Et ouais, m'fin voilà là, ou fin révéler qui est souillé, m'a rien qu'une question m'a posé encore. M'a gagné ma vie qu'on est encore. Parce que ou apprendre moi tout ça m'pat qu'on est de où. Et finalement, je comprends tout ça au fait ou gain raison. C'est un avantage que nous avons nous appuyer sur grâce, mon Dieu. Lorsque nous grandissons plus dans grâce, tenez bien, ou à quel que soit ça va faire, priez, mon Dieu. Ou à sortir, priez, mon Dieu. Ou entrer là, priez, mon Dieu. Ou sortir, remercier, mon Dieu. Montrez Dieu qu'on dépend de lui. Mon Dieu, bénoui. Même si vous le faire, vous avez une certitude de réussir la gueule, mais mon Dieu. Pour que Dieu comprenne ces grâces-là seulement qu'on compte sur lui. C'est celle sous grâce-là qu'on appuie. Et puis non seulement ça, dit Seigneur, chaque jour, je veux qu'on ait davantage. Je vais vous dans la dimension ça. C'est vrai, ou révéler ma vie, c'est vrai, ou enseigner quelque chose, même qu'on ait des bagages pour qu'on connaît. Et ou alors, soit ça, chaque jour, le Seigneur permet de grandir davantage. Ou bien plus maturité spirituelle, grâce bon Dieu a prêté sur vous. Et vous avez plein connaissance pour l'avènement du Seigneur. Que bon Dieu bénisse vous. Que soirée pour une soirée de grâce et de faveur. Au nom de Jésus. Amen.